de ce temps d'échange. Euh, voilà, pourquoi avoir organisé un tel événement alors que bien, dans ce MOOC, nous vous proposerons déjà de nombreux contenus, des vidéos, des ressources complémentaires, des activités également, comme des quiz, des devoirs évalués par les pairs, oui, ainsi qu'un qu forum pour échanger et poser vos questions. Alors la raison est la suivante. Euh, nous avons d'un côté une communauté d'experts scientifiques de très haut niveau qui s'est investie pour construire ce cours. Et de l'autre, nous avons des personnes, qui, comme vous, ou parfois des personnes qui, ou des acteurs qui peuvent être engagés, qui souhaitent renforcer leur connaissance et leur compréhension de, de ce qui se joue actuellement autour, euh, autour de l'océan. Le MOOC et l'objectif d'un MOOC, c'est de mettre en relation ces communautés d'experts d'un côté et puis de citoyens, ou de sociétés de l'autre. Et il me semblait, il nous semblait que proposer des directs en plus de tout ce qui était proposé jusqu'à présent, permettait d'accroître un petit peu cette proximité et cette articulation entre la recherche et les chercheurs d'un côté, et puis les citoyens, de la société de l'autre. Alors, comment tout cela va-t-il fonctionner C'est assez simple. Je vais laisser la parole dans quelques minutes à Arnaud Bertrand, notre intervenant, qui va faire une intervention. Et après, il y aura un temps d'échange. Alors, on verra. Ce que je vous invite à faire, c'est déjà dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions, si possible des questions courtes et claires pour que bah, notre intervenant puisse y répondre le plus facilement possible. Euh, mais peut-être qu'en fonction des questions aussi, je pourrais vous laisser la parole, ça me paraît être tout à fait envisageable. Enfin, on s'adaptera. Euh, donc, une présentation à peu près 15-20 minutes et puis un temps d'échange euh, qui peut aller jusqu'à une demi-heure. L'idée, c'est qu'on termine euh, à 18h, grand maximum, euh, cette, euh, ce, ce, temps de, ce temps de direct. Alors, avant de laisser la parole à Arnaud Bertrand, je vais rapidement le présenter. Donc, Arnaud Bertrand, vous me corrigerez si je dis des bêtises, mais déjà, merci d'avoir répondu favorablement à cette sollicitation. Vous êtes directeur de recherche à l'IRD. L'IRD, c'est l'Institut de recherche pour le développement. Vous êtes professeur honoraire à l'Universidad nationale Mayor de San Marcos au Pérou et professeur invité à l'Université fédérale de Pernambuco et à l'Université fédérale rurale de Pernambuco au Brésil. Alors vous avez travaillé plus de 15 ans sur le système du courant de Humboldt, dont vous êtes un spécialiste et peut-être même le principal spécialiste, et vous avez développé le laboratoire mixte international franco-péruvien qui s'appelle Dynamique du système du courant de Humboldt. Vos recherches sont principalement transdisciplinaires, c'est-à-dire que vous travaillez en collaboration avec des collègues qui sont issus de disciplines très différentes. Et vous travaillez donc autour d'approches globales, holistiques, systémiques, au cours justement autour de ces questions de, de, de processus écosystémiques qui comprennent l'humain, bien entendu, et les activités humaines, avec une formule qui est du vent à l'assiette. Peut-être que vous pourrez revenir sur cette approche du vent à l'assiette. Je rappelle que vous intervenez dans ce MOOC, dans la première semaine de MOOC, sur cette question justement du système de courant de Humboldt. Mais j'ai déjà trop parlé et maintenant je vous laisse la parole. Merci beaucoup Vincent pour cette présentation. Euh, donc, effectivement, je vais parler du système du courant de Humboldt et en fait, je vais. Je vais aller un petit peu plus loin de ce que j'ai présenté lors du MOOC et présenter notamment les résultats d'un article qui est paru très récemment, qui montre que peut-être on va avoir des poissons plus petits au menu de océans de, de, de plus chauds. Et donc je vais, je vais parler un petit peu de, de ce qui pourrait changer avec, au niveau des populations de poissons avec le, changement, le réchauffement climatique et donner un petit peu de contexte pour cela. Et en fait, ça va venir complémenter ce que j'ai présenté dans le MOOC et bien entendu, je suis à votre disposition ensuite pour discuter. Alors d'abord, je voudrais parler d'un aspect important qui est l'oxygène dans les océans. Puisque ce paramètre est fondamental, alors si on prend un endroit au hasard de l'océan, on a de grandes chances d'avoir ce type de profil vertical, c'est-à-dire qu'on a la concentration d'oxygène dissous qui va varier avec la profondeur, mais va rester relativement élevée dans toute la colonne d'eau. Cependant, dans certains endroits de l'océan mondial, on va avoir ce qu'on appelle des zones de minimum d'oxygène, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine profondeur, la concentration en oxygène va diminuer drastiquement. Donc, cette zone de réduction rapide, on appelle l'oxycline. Et on va avoir une couche de quelques centaines de mètres, très peu oxygénée, voire avec une concentration en oxygène non détectable qu'on appelle donc ces zones de minimum d'oxygène. Donc je pourrais euh, ensuite euh, expliquer un peu plus l'origine de ces zones de minimum d'oxygène si c'est utile. Mais ce qui est important de savoir c'est que ces zones de minimum d'oxygène couvrent environ 8 de l'océan mondial aujourd'hui et sont particulièrement distribuées le long des bords est des océans que ce soit le Pacifique, l'Atlantique et, égal... et également mmh. le nord de l'océan euh, Indien. commence à faire des fleurs le univers qu'il y a des micros ouverts. Oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper vos micros Merci Et beaucoup. En, ce qui est important de savoir, c'est que la dissolution de l'oxygène dans l'eau diminue avec la température. Donc, plus les océans se réchauffent, euh, moins, euh, leur, enfin, plus le contenu en oxygène diminue. Et on estime quavec le réchauffement climatique, l'océan mondial a perdu environ 2% de son oxygène ces 50 dernières années. Et ce qui est important aussi, c'est de voir que ces zones de minimum d'oxygène, donc qui sont principalement sur le bord est des océans, Correspondent aussi aux zones les plus productives euh, en termes de production primaire ou de poissons. Donc, sur cette carte, vous avez la production primaire de l'océan mondial et vous avez les quatre grands courants de d'upwelling, des grands courants de bord est, donc Californie, Humboldt, Canary et Benguela, qui produisent environ 20% de la production mondiale de poissons. Alors, comment, on marche, comment on fonctionne un écosystème de pooling, très, de façon résumée, en prenant le cas du Pérou? Donc, on a une remontée des eaux profondes, euh, froides, mais riches en nutriments. Lorsque les nutriments arrivent en surface avec euh, la, la lumière, on a de la photosynthèse qui va permettre le développement de phytoplancton consommé par le zooplancton, lui-même consommé par les poissons et euh, des petits poissons pélagiques qui vont ensuite être consommés par des prédateurs naturels, que ce soit des poissons, des oiseaux marins, des mammifères, et également euh, les pêcheurs. Et par ailleurs, euh, au large du Pérou, on a une zone de minimum d'oxygène très intense et très superficielle, c'est-à-dire que la zone de minimum d'oxygène peut commencer à quelques mètres de profondeur ou quelques dizaines de mètres, et avec des concentrations extrêmement faibles. Et certains organismes, notamment certains euphosiacés comme le krill ou des, certains poissons mésopélagiques, sont capables durant la journée de s'y réfugier euh, afin d'échapper aux prédateurs. Cependant, euh, durant la journée, ils vont être en léthargie et ils ont une dette d'oxygène à payer et la nuit, ils sont obligés de remonter en surface pour respirer. Et donc, on a ce cycle nyctémaral jour-nuit de migration avec protection dans la journée dans ces eaux peu oxygénées. Donc, ça, c'est un petit peu le, le fonctionnement de base. Et ce qui est vraiment fondamental, c'est que pour un poisson, il est parfois plus facile de trouver de sa nourriture que l'oxygène, notamment lorsqu'on est dans des zones où la concentration d'oxygène est faible. Il faut savoir que respirer dans l'eau, c'est extraire de l'oxygène et c'est extrêmement coûteux d'un point de vue énergétique. Parce qu'un volume d'eau va contenir 30 fois moins d'oxygène que le même volume d'air et l'eau est extrêmement visqueuse. Elle est 500 fois, 50 fois plus visqueuse que l'air et 800 fois plus dense. Donc, extraire cet oxygène euh, demande énormément d'énergie. Vous prenez un poisson comme un thon ou une sardine, vous l'empêchez de nager, euh, ben, le poisson va mourir, pas par manque de nourriture, mais tout simplement parce qu'il faut suffisamment de volume d'air, d'eau euh, dans leur branchie pour extraire cet oxygène. Et par ailleurs, lorsqu'on a des zones euh, assez euh, pauvres en oxygène, c'est assez lent pour les oxygéner puisque la diffusion de l'oxygène est 300 000 fois plus lente dans l'eau que dans l'air. Comme je l'indiquais avant, plus la température de l'eau augmente, plus la dissolution de l'oxygène dans l'eau diminue. Donc moins on a d'oxygène dissous. Et dans le même temps, si la température de l'eau augmente, la physiologie des poissons va augmenter. Ce sont des organismes à sang froid, donc la physiologie augmente avec la température. Et donc si la physiologie augmente, leur besoin en oxygène augmente dans un milieu plus appauvri en oxygène. Et par ailleurs, plus un poisson est volumineux, plus il sera coûteux de transporter cet oxygène dans toutes ses cellules, dans le gros volume de son corps. Par conséquent, il y avait une théorie qui indiquait que dans un océan plus chaud et moins oxygéné, la taille des poissons devrait diminuer puisque des gros poissons auraient du mal à euh, oxygéner l'ensemble de leur volume de corporel. Mais il y a deux, il y avait jusqu'à il y a peu deux hypothèses pour euh, tenter d'expliquer de, la façon dont cela pourrait euh, euh, avoir lieu. Donc la première hypothèse c'est que on n'aurait pas des changements d'espèces dans des écosystèmes, mais simplement pour une espèce donnée la taille des poissons diminuerait. On sélectionnerait des poissons qui seraient capables de se reproduire plus petits dans le cadre d'une même espèce. Donc, on aurait la taille qui diminuerait pour une espèce donnée. L'autre hypothèse serait que les espèces les plus grosses disparaîtraient et qu'on aurait une prolifération d'espèces plus petites. Alors, comment tester ces hypothèses C'est très difficile avec des données historiques, puisque la pêche a ses deux effets sur les écosystèmes marins. Elle peut sélectionner les espèces capables de se reproduire plus petites, parce qu'on. Enfin, les individus capables ou les génotypes capables de se reproduire produire plus vite dans un, pour une même espèce puisqu'on va la pêche va aller chercher les, les individus les plus gros et donc sélectionner ceux qui peuvent survivre en étant petits et par ailleurs on sait que la pêche peut changer les communautés euh, et au profit de communautés plus petites donc en fait on ne peut pas tester ces hypothèses avec les données classiques mais heureusement il y a d'autres moyens en utilisant la paléoécologie donc on retourne vers le pérou et euh, au Pérou, donc, on a cette grosse productivité lorsqu'un poisson, par exemple un anchois, va mourir, il va tomber sur le fond. Et le fond est anoxique, puisqu'on est dans une zone de minimum d'oxygène. Et euh, le fait qu'il n'y ait pas d'oxygène va permettre de la conservation de la matière organique, et donc on peut faire des carottages de sédiments et euh, extraire de ces carottes des informations tant sur le climat passé que sur les communautés qui y vivaient. Et on va y retrouver des écailles ou des vertèbres de poissons, euh, d'anchois, de, de sardines ou d'autres euh, communautés de poissons qui pouvaient être présents. Donc ça, ça nous permet de revenir dans le temps. Alors euh, les travaux, on s'est d'abord intéressé sur les quelques dernières centaines d'années, puis 2000 ans, puis 25 000 ans, et maintenant on passe sur euh, une, plus de 100 000 ans. Et si on essaye pour tester cette hypothèse, ce qui a été fait a été de comparer les observations de l'Holocène, donc les 11 000 dernières années, avec celles de dernière interglaciaire il y a environ 120 000 ans. Et cette interglaciaire correspond à des concentrations en oxygène et de température au large du Pérou qui sont celles projetées pour la fin du siècle avec les modèles biogéochimiques ou physiques couplés pour le changement climatique. Donc, on a des informations il y a 120 000 ans pour un scénario qui pourrait ressembler à celui de la fin du siècle. Et on compare ça avec les 11 000 dernières années. Évidemment, ces deux périodes, il n'y avait pas de pêche, en tout cas pas de pêche industrielle c dans la région. Donc, ça permet de ne, de ne pas avoir cette, ce biais lié à vos activités halieutiques. Et alors, si on regarde les résultats on s'aperçoit que durant l'Holocène, donc les 11 000 dernières années, on avait énormément d'anchois, donc des poissons d'une dizaine de centimètres, et des poissons plus petits étaient négligeables. Ensuite, il y avait aussi d'autres espèces assez variées, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de, de ces autres espèces. Et si on regarde le, la dernière, le dernier interglaciaire, donc une période chaude et désoxygénée, on se rend compte que l'anchois était très peu présent. Par contre, on proliférait des espèces toutes petites, certaines dont on pouvait imaginer qu'ils sont des poissons mésopélagiques, qui sont relativement abondants, on va dire, en tout cas présents actuellement, comme des myctophidés ou d'autres espèces de poissons mésopélagiques. Par contre, une grande surprise a été de voir que le poisson dominant était le gobie qui est un tout petit poisson de quelques centimètres, qui est aujourd'hui euh, virtuellement absent de l'écosystème. C'est-à-dire qu'il y en a trois ou quatre euh, au fond. Enfin, il y en a des, des quantités négligeables. Et ces poissons-là ne sont absolument pas dans tous les modèles que l'on peut avoir sur le fonctionnement de cet écosystème, car ils ont une biomasse aujourd'hui qui est totalement négligeable. Donc, ça nous a permis de montrer qu'au moins dans le cadre de cet écosystème qu'on a utilisé comme modèle, Parmi les deux hypothèses qui étaient possibles sur l'impact de réchauffement de, des eaux et de la désoxygénation sur la taille des poissons, ce n'est pas une diminution de la taille d'une espèce donnée qui semble le plus probable, mais bien un changement drastique de communauté vers des poissons beaucoup plus petits. Ça veut dire qu'on peut s'attendre que le futur du système du courant de Humboldt et sans doute d'autres systèmes du même type serait une baisse énorme de la productivité en poissons, mais aussi, et peut-être surtout, et ça c'était la grande surprise, un changement de régime avec des communautés totalement différentes, avec des espèces beaucoup plus petites qui vont proliférer, et des espèces qui sont aujourd'hui totalement négligeables et négligées. Et tout ça est absolument non prévisible avec les données historiques ou les modèles actuels. Donc prévoir le futur avec les modèles actuels semble bien hasardeux et probablement on s'attend à des scénarios bien différents et pires que ce qu'on imaginait parce qu'on s'imaginait une, une baisse de la productivité avec moins d'anchois. Mais euh, moins d'anchois, c'est toujours possible de les valoriser. En, en, au lieu de faire de la farine de poisson, on peut faire de la, de la consommation humaine directe. Par contre, quand on a des gobies de 4 cm, ça devient beaucoup plus compliqué. Et d'une façon, euh, si on généralise un peu les résultats de cette étude, euh, on peut penser que dans le futur, selon les, le type d'écosystème, alors plus tempéré ou plus tropical, on va voir à la fois une baisse de la diversité, euh, un changement de communauté vers, euh, et un changement de communauté vers des poissons plus petits, avec évidemment un risque accru pour la sécurité alimentaire. Donc je vais en terminer ici pour la présentation. Et je suis maintenant à votre disposition pour vos questions. Merci beaucoup Arnaud pour cette présentation. Euh, alors le fonctionnement, je le répète, vous avez le chat, le partie discussion sur votre droite, donc vous pouvez tout à fait poser vos questions par par ce moyen-là. Euh, pour ma part, je vais simplement commencer par vous relayer une question qui avait été posée sur le forum au sujet d'un sujet que vous n'avez pas développé en début de présentation, c'est la zone de minimum d'oxygène. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui permet d'expliquer ce, cette zone de minimum d'oxygène et pourquoi est-elle aussi si importante euh, au niveau de la, du, de, du système de, de Humboldt Alors, l'origine des zones de minimum d'oxygène est, est liée à deux aspects. Une faible ventilation des eaux et un aspect biologique avec la consommation en oxygène. Alors faible ventilation, on va être dans des zones où en fait l'eau qui circule horizontalement va circuler très lentement ou être attrapée, c'est-à-dire qu'en fait c'est des eaux peu oxygénées qui vont recirculer. Horizontalement, verticalement pardon. On va avoir peu d'échanges avec l'atmosphère parce qu'on va avoir des, une stratification verticale très forte avec des barrières de densité qui vont limiter les échanges entre les eaux de surface qui vont être en, en, en interaction avec l'atmosphère, donc bien oxygénées, et des eaux de subsurface qui vont être peu en interaction par cette barrière de densité, la pycnocline. Et donc, ça, ça va limiter les échanges. Et par ailleurs, plus un écosystème est productif en termes euh, biologiques, plus la matière organique produite, alors phytoplancton, zooplancton ou poisson, euh, va se dégrader et va être dégradée par les bactéries. Et les bactéries vont consommer de l'oxygène et donc réduire la concentration en oxygène. Donc ces deux aspects, ventilation et consommation de l'oxygène, notamment par le cycle bactérien, sont les moteurs essentiels de ces euh, zones de minimum d'oxygène. Et par ailleurs, comme je l'indiquais, comme la dissolution de l'oxygène dans l'eau diminue avec la température, on a un, une réduction par ailleurs de, globale de la concentration en oxygène. Alors, en attendant d'éventuelles questions, j'avais noté aussi quelques, quelques aspects. Vous parliez de la il y a une pression de pêche actuellement sur les anchois. Est-ce que modifier actuellement la pression de pêche sur les anchois pourrait avoir un effet sur leur possible déclin à l'avenir Puisqu'on a bien compris que la dynamique des populations, il y a des facteurs aussi bien à toutes ces oscillations, mais aussi à la, à la pression de pêche, aux réglementations qu'il peut y avoir. Est-ce que ça peut changer la donne de pêcher moins d'anchois sur la survie des anchois et leur adaptation alors, euh, on a pas mal de recul maintenant sur ces aspects-là, parce que comme je l'évoquais, au début, on a travaillé sur des données historiques, avec notamment l'effondrement de l'Anchois en 1972, avec euh, la conjonction d'un très gros effort de pêche, un hein, m Nino et une période euh, décennale euh, défavorable. Puis on a eu une vision un peu plus large avec 700 ans, puis 2000 ans, puis 25 000 ans. Alors, si je m'arrête sur les 25 000 dernières années, quelque chose qui est quand même très intéressant, c'est que sur les 25 000 dernières années ou même les 120, 150 000 dernières années, en fait, l'anchois n'a jamais été aussi abondant que depuis le début du XXe siècle. C'est-à-dire que la pêcherie industrielle s'est développée vraiment sur une anomalie. En termes de productivité à l'échelle d'au de, de de, 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 de moins 100 000 ans. Donc, l'image qu'on a du système du courant du Humboldt extrêmement productif en poisson n'est pas la norme, si je puis dire. C'est plutôt une anomalie. Donc, on s'attend à ce que euh, ça chute. Et euh, la gestion des pêches va aider effectivement à réduire, à limiter les variations. Cependant, euh, on a vu des effondrements des populations d'anchois bien avant le début de l'exploitation humaine. Donc, euh, ce ne sera pas suffisant euh, pour empêcher euh, une, une chute brutale de la population d'anchois euh, si euh, les, les conditions climatiques euh, changent les, les, le fonctionnement du système, les, le système de courant, d'upwelling, etc. Donc, c'est. Euh, euh, malheureusement euh, une bonne gestion des pêches ne sera pas suffisante pour cela alors euh, deux questions qui viennent d'être posées sur le, le fil de discussion euh, la première porte plutôt sur l'aspect euh, écologique euh, réchauffement est ce que cela veut dire aussi diminution de la production du plancton et de sa diversité oui alors peut-être que alors je, je vais répondre à cette question mais peut-être que je vais je vais rajouter quelque chose sur oui. votre, sur la première question en fait ça me donne euh, cette idée là c'est que, par ailleurs, euh, ne pas trop pêcher peut être bon pour l'oxygène. C'est-à-dire que, euh, quand l'anchois est abondant, euh, laisser une biomasse suffisamment importante et, et utile, c'est-à-dire que si on enlève, on, imaginons qu'on enlève tous les anchois en ce moment, le plancton va proliférer, euh, puisqu'il sera peu consommé. Et donc, on va avoir beaucoup plus de... Ma... des cycles beaucoup plus rapides. Donc, on va avoir beaucoup plus de matière organique qui va être dégradée par les bactéries dans la colonne d'eau. Et donc, ça va diminuer la concentration d'oxygène. Alors que si les anchois prolifèrent, les anchois vont consommer cette matière organique, mais vont... quand ils meurent, ils vont tomber directement au fond et ne vont pas rentrer dans le cycle bactérien de la colonne d'eau. Donc, la population d'anchois peut aussi aider à réguler le climat. Alors ensuite, bien entendu... Euh, la, le changement euh, de, du système va, va atteindre, enfin le, 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 les mécanismes dont j'ai parlé, atteint tout le, tous les composants de l'écosystème, c'est-à-dire qu'on va avoir des changements aussi dans les communautés de phytoplancton, de zooplancton, on risque d'avoir du phytoplancton qui est plus des dinoflagellés ou du, des flagellés qui sont beaucoup plus petits. Que des diatomées qui sont beaucoup plus grosses, ce qui va changer euh, les communautés de, de zoos euh, euh, et, et l'ensemble en fait des communautés. Euh, en fait, ensuite je vois qu'il y a une question concernant la pisciculture. Alors, la pisciculture, euh, c'est quelque chose qui est, euh, y a, y a, en fait, il n'y a pas une pisciculture, il y a beaucoup de pisciculture. C'est-à-dire qu'une pisciculture qui est basée sur la, des poissons prédateurs c'est une pisciculture qui dépend de deux intrants principaux, qui va être soit de la farine de poisson, donc de l'exploitation de ressources marines sauvages, et complémentée aujourd'hui de soja, et le soja qui est souvent transgénique et surtout qui est extrêmement nocif en termes de déforestation en Amérique latine, Argentine, Brésil, Amazonie. Et aussi au niveau des États-Unis, là ce n'est pas de la déforestation, mais c'est plutôt des, des cultures intensives avec énormément d'intrants. Après, il y a d'autres types d'aquaculture, mais je, je pense que qui peuvent être moins dommageables quand elles sont basées sur des organismes filtreurs. Mais euh, effectivement, l'ensemble des activités, euh, l'ensemble de la productivité du système euh, peut être en, euh, mise à mal. Alors, je vois qu'il y a une autre question concernant les autres zones de minimum d'oxygène. Oui, et peut-être à compléter, Arnaud, par une question qui est, et vous le présentiez au début de votre intervention, il y a quatre zones de pudding, quatre grandes zones. Est-ce qu'on observe à peu près les mêmes choses, que ce soit en termes de minimum d'oxygène ou autre d'évolution de la productivité Alors, je vais repartager rapidement mon écran. Donc, au niveau des zones de minimum d'oxygène, on a essentiellement donc, le Pacifique Est, avec cette zone au large du Pérou et un petit peu moins du Chili. On a l'Amérique centrale et euh, ça, cette zone remonte un peu vers la Californie, voire le nord du Pacifique. Euh, sur, dans l'Atlantique, euh, la zone de minimum d'oxygène est moins intense, sauf au large de la Namibie. Je vais y revenir. Et euh, au nord de l'océan Indien, les zones de minimum d'oxygène sont très intenses. Ensuite, on a des zones de ce type donc, dans la mer Noire ou euh, la, la mer Baltique. Ce n'est pas représenté sur cette carte parce que le, là, c'est euh, en subsurface. Et par ailleurs, il y a ce qu'on appelle les zones mortes. Bon, ce n'est pas un, une bonne définition parce qu'en fait, euh, quand il y a une zone de minimum d'oxygène, il y a énormément de bactéries, donc ce n'est pas mort. Mais ce qu'on appelle les zones mortes, ça va être toutes les zones très côtières, les, les, les embouchures de fleuves ou les zones de baies, etc., où là, on va avoir une diminution locale très intense de l'oxygène, liée notamment à l'eutrophisation via les activités humaines, l'agriculture, tous les nutriments qui peuvent arriver et rester stagnés dans les, dans les baies. Alors, est-ce que ce qu'on a observé au Pérou peut se, pourrait s'observer ailleurs alors, théoriquement oui, puisque ces upwellings sont relativement proches en termes de fonctionnement et de type d'espèce et voient le même type d'évolution, puisque les modèles climatiques prévoient une intensification des zones de minimum d'oxygène dans le Pacifique et dans l'Atlantique. La seule exception à la règle, c'est le... Le nord de l'océan Indien, où en raison d'un changement de régime de vent de la mousson, il est possible que la zone de minimum d'oxygène soit moins intense. Et quelque chose de très intéressant, c'est le cas de la Namibie. Parce qu'en Namibie, dans les années 60-70, il y a eu une surexploitation de la, des ressources drastiques. Une vraiment très grosse surexploitation. Et là, l'écosystème le le, a, a changé de régime drastiquement. Et on a eu une chute de, de l'oxygénation. Euh, on a des zones où on, aime, on a même des, un, un développement de sulfure, avec euh, même des problèmes de, de risque pour les humains ou les animaux de respiration de ces sulfures et vraiment des zones localisées avec très 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 peu d'oxygène. Et dans ces zones, les poissons, les gros poissons ont diminué énormément et prolifèrent deux types d'espèces, les méduses et nos amis les gobies. Et donc, on, imagine, on savait qu'il y avait cette possibilité d'écosystèmes relativement anoxiques dominés par méduses et gobies, mais on n'imaginait pas que, par exemple, le courant du Humboldt ait pu... Euh, avoir euh, une phase de ce type dans, dans le temps, ce qui nous laisse à penser que ce type de changement de régime drastique avec domination de gobies euh, peut arriver ailleurs. Et dans le cadre des études qu'on a fait au Pérou, on ne sait pas si euh, lorsque les gobies proliféraient, proliféraient également les méduses parce qu'elles ne sont pas préservées dans les sédiments, mais c'est une hypothèse euh, qui semble raisonnable. Euh... Alors, le retour possible du, du gobie, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, et un article a dans été dans ce sens récemment, un, un développement et finalement une opportunité pour le, le calmar géant euh, de se comporter, finalement d'avoir des conditions très favorables à son développement Est-ce que cela ne constituerait pas des, des débouchés économiques Parce que si on peut penser à toutes ces populations qui vivent de la pêche et de cette période anormalement productive, et comment va-t-elle pouvoir entamer et comment perçoit-elle d'ailleurs ce, ce risque et cette incertitude et cette perspective de reconversion euh, extrêmement forte Alors, euh, le calmar géant est donc euh, effectivement Dosidicus gigas, une espèce assez emblématique du système de courant de Humboldt ou, ou plus largement de l'est du Pacifique. Donc cette espèce. Euh, euh, est très adapté aux conditions où une zone de minimum d'oxygène est en place, puisque durant la journée, il est capable de descendre de cette zone de minimum d'oxygène, va adapter sa physiologie, enfin, plutôt son comportement, avec. Un, un, il va réduire son métabolisme en nageant tout doucement, en descendant tout doucement. Et il a, physiologiquement, il n'utilise pas de l'hémoglobine, mais de la. De une autre molécule, je crois que le nom m'échappe, mais je crois que c'est l'exo... Le nom m'échappe, excusez-moi. Mais c'est une molécule qui est beaucoup plus... qui a réussi à mieux capturer l'oxygène et transporter l'oxygène, ce qui lui permet de capturer des proies en léthargie, parce que les autres espèces sont complètement léthargiques dans cette zone de minimum d'oxygène, et lui, avec un déplacement très lent, arrive malgré tout à capturer des proies. Et durant la nuit, évidemment, il est obligé de remonter en surface pour respirer. Actuellement, au Pérou, se pêche de l'ordre de 600 000 tonnes de calmar géant, ce qui est énorme, parce que pour donner un ordre de grandeur, toutes les pêches françaises dans tous les océans du monde, toutes les espèces confondues, sont de l'ordre de 400 000 à 500 000 tonnes maximum. Donc rien qu'en calmar géant, il y a plus qui est capturé chaque année. Donc c'est une pêcherie qui fonctionne actuellement extrêmement bien. D'ailleurs, quand vous allez, moi j'habite à Sète, parfois on nous vend du calmar local, et en fait c'est du calmar géant, beaucoup moins bon, ou euh, même on fabrique des faux ronds de calmar avec des emporte-pièces dans le corps de ces, ces calmars, mais euh, je pense qu'on ne peut pas arriver, aujourd'hui on doit être à peu près au maximum, et ce sont des, des, des espèces extrêmement dynamiques, qui euh, augmentent leur population très rapidement, mais s'écroulent aussi très rapidement. Et en fait, pour proliférer, ces espèces ont besoin de très forte productivité, notamment de poissons mésopélagiques. Et si la productivité diminue, euh, la population de calmars géants euh, diminue très rapidement. Donc, euh, la, la période actuelle, qui est vraiment une période dorée, pour les pêcheries avec une production d'anchois énorme et une production de calmar géants énorme, va forcément s'arrêter un jour. Lémocianine, merci. Et sur le, plan de la, euh, sur le plan sociétal, en fait, comment la, la société, hein, ben, j'imagine que beaucoup de personnes suivent tous ces travaux, puisqu'ils sont réalisés d'ailleurs en partenariat avec euh, des universités, des centres de recherche péruviens. Comment tout cela est-il perçu et est-ce qu'il est possible de préparer finalement ce, ce déclin Puisqu'on ne sait pas trop quand il arrivera, mais on sait qu'il va arriver. Alors, ça fait des dizaines d'années qu'on est en interaction, bon, d'abord avec le monde académique ou les ministères de la production au Pérou, et, et aussi avec les grands entrepreneurs de pêche. Alors, ça a été très lent. Mais cependant, euh, petit à petit, euh, on, on a l'oreille de ces gros entrepreneurs qui même euh, nous convoquent régulièrement. Euh, donc Renato Salvaticci, qui est le premier auteur de, de l'étude publiée dans Science récemment et qui est le spécialiste de la paléoécologie. Moi-même et d'autres collègues, on est assez souvent en interaction avec ces, ces entrepreneurs. Au début, il y avait vraiment euh, une... Ils refusaient de croire que, que nos, les résultats qu'on qu leur montrait, qu'il y avait une sorte d'idée qu'on avait des oscillations régulières de l'ordre de 25 ans, que ça allait monter, descendre, monter, descendre, que c'était prévisible. Et en fait, on a montré que tout ce qu'on pensait était faux et que euh, probablement euh, ça allait euh, drastiquement diminuer. La, la difficulté qu'on a, c'est qu'on n'est on, on pas capable de prévoir quand euh, le système va changer de régime. Et les investissements dont on parle, c'est des investissements sur de l'ordre de 25 ans. Euh, donc, on a, ils sont préparés dans le sens où ils savent que ça devrait arriver un jour. Mais pour l'instant, compte tenu du coût, enfin, du cours de la farine de poisson qui est très élevé, euh, ils préfèrent maintenir leurs investissements sur la farine. Et il faudrait des décisions politiques très fortes d'interdire la fabrication de farine de poisson, mais ça, c'est de des décisions politiques extrêmement drastiques. Et, et en fait, on a un appel, enfin, on a une demande très forte, notamment via la Chine, parce que 50% de la, la farine de poisson mondiale est consommée en Chine pour élever poisson, poulet, porc, etc. Donc, euh, ça paraît assez difficile que les industriels changent leur façon de faire sans une pression politique et sociétale très forte. Et par ailleurs, ce qui m'inquiète énormément, euh, notamment dans le cadre du Pérou, c'est euh, la pêcherie artis artisanale. C'est-à-dire qu'en 2009, euh, il y a, eu une, euh, 2009, y a eu un changement de législation de la pêcherie industrielle qui a rationalisé, on va dire, la pêcherie industrielle, qui a, avec une réduction drastique du nombre de bateaux et des dizaines de milliers de pêcheurs qui travaillaient dans la pêcherie industrielle sont partis dans la pêcherie artisanale. Donc le nombre de bateaux et l'effort de pêche artisanale, de, de, des pêcheries artisanales a explosé. Et cela était possible notamment parce que le calmar géant est extrêmement abondant. Donc aujourd'hui, les, les pêcheries artisanales péruviennes fonctionnent notamment grâce au calmar géant. Et on sait que ce sont des espèces avec ces dynamiques explosives et qu'il peut, du jour au lendemain, d'une année sur l'autre, s'effondrer. Et ce jour-là, ça veut dire que des milliers et des milliers de pêcheurs artisans vont perdre leurs ressources principales et aller euh, vers d'autres ressources qui, seront, qui sont déjà en limite. Et là, j'ai peur, euh, je suis très inquiet sur des aspects euh, bon, écologiques, évidemment, mais aussi des, con, des conflits sociaux, économiques très, très forts. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup euh, explicité au Pérou. On a, fait un, on a développé un atlas des pêcheries artisanales péruviennes pour avoir une espèce d'état des lieux. Mais il y a énormément de... Enfin, c'est un sujet extrêmement complexe avec des décisions politiques fortes parce qu'il faut réguler ces pêcheries et ce les, les, les politiques ont peur parce qu'il y a des conflits sociaux très forts liés à ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Alors, nous avons une, une question est-ce que cet écosystème peut-il être également perturbé par des pollutions de type carbone suie ou plastique Et puis, je rajouterai aussi par la question de l'acidification euh, donc ces pressions, comment est-ce qu'elles sont intégrées finalement à toutes ces, à toutes ces, ces préoccupations Alors, acidification, en fait, comme le système du courant de Humboldt est déjà... Euh... Est très, est très peu oxygéné, il est déjà très acide. Donc, en fait, on a déjà une sorte de, de fenêtre vers le futur avec un, un écosystème très acide, avec des communautés probablement adaptées euh, relativement, mais plus d'acidité, évidemment, ça va être un facteur euh, défavorable euh, additionnel. Alors, les microplastiques, alors moi, je travaille maintenant pas mal dessus, mais alors je ne vais pas prendre l'exemple le, le, du système du courant de Humboldt parce que là, je n'y ai pas travaillé, je n'ai pas d'idée d'études récentes. Mais pour vous donner une idée, euh, moi, je travaille maintenant beaucoup au large du Brésil, j'ai organisé des campagnes multidisciplinaires au large du Brésil et on a été échantillonné très au large dans la colonne d'eau, 1000 mètres de profondeur. On a découvert plein de nouvelles espèces de poissons qui n'avaient jamais été observées. Et en fait, 95% des poissons ont du plastique dans les estomacs, idem pour les céphalopodes, les crustacés. La, 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 la pollution en microplastique est, est majeure et euh, sont advectés sur les microplastiques euh, des, euh, des polluants, notamment euh, des métaux lourds comme le mercure. Euh, là, on vient de terminer une grosse expédition au large de l'Amazone. Et euh, on, va, on va notamment travailler sur les, euh, les microplastiques, entre autres, et, et voir euh, les taux de mercure, puisqu'on sait que dans, le long de l'Amazonie, la, il y a des orpailleurs qui utilisent du mercure pour le chercher de l'or. Enfin et, euh, et donc, on s'attend à des résultats un petit peu catastrophiques à ce niveau-là. Quant au black carbone, alors là, j'avoue que c'est un peu moins ma spécialité. Enfin, je sais que c'est une, une pollution absolument majeure, que l'océan le, 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 est un regorge de black carbone, avec des conséquences probablement complètement sous-évaluées, sous-estimées. Et le, le problème, c'est que Là, je, je, on parlait juste d'un effet qui est oxygène et température. Et si on rajoute en plus les autres éléments comme plastique et autres, évidemment, le scénario ne, ne sera pas plus, ne va pas s'éclaircir. Alors, une question vous avez déjà peut-être un petit peu répondu au sujet du réchauffement. Peut-on envisager que les courants actuels puissent être modifiés d'une manière significative euh, une Question Alors, qui vous est posée, voilà. Alors, bon, euh, oui, alors, bon, moi, je ne suis pas océanographe physicien, hein, je suis un écologue ou un toutologue, je sais un petit peu de tout, mais, mais rien sur rien. Euh, ce qui est évident, c'est que quand on regarde la circulation du Pacifique, euh, par exemple, au moment de la dernière déglaciation, enfin, il y a, y a une, une dizaine de milliers d'années, euh, on a eu une période où le pacifique s'est paralysé, la, la circulation thermohaline s'est paralysée euh, au moment de la déglaciation. donc, évidemment, le, le, les changements climatiques peuvent avoir des, euh, des effets drastiques sur l'ensemble de, de la circulation euh, océanique. et à, à la vitesse où on est en train de changer la, les compositions physiques et chimiques de l'océan, euh, il est évident qu'on devrait arriver à à modifier aussi les courants, de quel ordre, comment. Je ne vais pas aller plus loin. Est-ce qu'on a une idée d'où pourraient se réfugier les Anchois s'ils ne trouvent plus leur bonheur près des côtes péruviennes Alors, une des hypothèses, c'est qu'ils pourraient migrer plus vers le sud, vers le Chili. Et justement, ça, c'est une des hypothèses de recherche mon collègue Renato Salvatecci, qui a récupéré des carottes sédimentaires au large du Chili et qui est assez intéressé de voir si justement, pendant ce dernier interglaciaire, la population d'anchois au Chili était plus forte. Alors, on a des indications à des échelles très différentes. On sait que, par exemple, pendant des événements El Niño, il n'y a pas systématiquement, loin de là, une migration vers le Chili des, des anchois. Donc, euh, on n'est pas sûr que les anchois, euh, lorsque l'océan lorsque va, les conditions vont être défavorables dans le futur au large du Pérou, vont proliférer au Chili ou trouver juste des zones refuge avec une population très faible. Donc, ça, c'est euh, une des hypothèses qui va être testée dans les années qui viennent. Euh, écoutez, nous avons fait le tour des questions euh, de la part des, des participants. Je ne sais pas si vous en avez encore, euh, si vous souhaitez en rajouter. Peut-être, euh, pour ma part, j'aurais une dernière question. Euh, à quoi va ressembler votre prochaine mission en tant qu'écologue marin au large du Brésil, je crois, ou enfin voilà, peut-être. Euh, à quoi ça ressemble votre métier en fait d'écologue, de, de chercheur à l'IRD alors, je vais plutôt parler de ma dernière plutôt que ma future. Parce que, <laughs> euh, on a 10 ans de travail pour euh, traiter ces données. Donc, euh, on a organisé, enfin, moi, j'avais organisé, on organise des, des campagnes très multidisciplinaires, vraiment pour essayer de comprendre les processus de la physique euh, aux, aux prédateurs. Et là, on a récemment euh, réalisé une campagne qui s'appelle Amazomix au large de l'embouchure de l'amazone, donc sur le plateau amazonien et dans la zone du large. et euh, cette campagne avait trois objectifs. c'était un, de comprendre euh, l'impact de, de la plume de l'amazone, donc le plus gros fleuve du monde en termes de volume. donc cette énorme masse d'eau dessalée, avec euh, ses propriétés en termes physiques, biogéochimiques, mais également en termes de communautés associées. Donc cette énorme masse d'eau dessalée qui arrive dans cet océan Atlantique dans une zone très importante puisque c'est le courant nord brésil, c'est un courant très salé et qui est très important dans la circulation thermohaline et donc dans la régulation du climat et en fait on n'avait pas peu de connaissances sur l'impact de cette plume de l'Amazone sur la structure et le fonctionnement de l'écosystème d'un point de vue physique, biogéochimique et bien sûr écologique des bactéries aux prédateurs supérieurs. Par ailleurs, il se trouve que le plateau amazonien est une zone assez particulière où vont être générées des ondes de marée extrêmement euh, énergétiques et donc qui vont, des ondes qui vont partir au large. Et il y a quelques endroits dans le monde où il y a des ondes aussi énergétiques, des ondes internes aussi énergétiques. Et avec cette campagne Amazomix très multidisciplinaire, on essaye de comprendre l'impact de ces ondes internes sur le fonctionnement de l'écosystème, parce qu'elles vont changer la structuration verticale de la, structure, de la structuration thermoaline, c'est-à-dire la profondeur du maximum de nutriments qui va remonter en surface, potentiellement favoriser des blooms de phytoplancton et donc changer, augmenter la productivité. Donc là, on a des résultats pour l'instant très préliminaires, mais ça a l'air très très intéressant, parce qu'on a des changements jusqu'à de 100 mètres verticalement de la profondeur du maximum de fluorescence, donc c'est des, des changements drastiques en, en quelques minutes. Et par ailleurs, c'est une des zones du, de l'océan mondial curieusement les moins étudiées, et en fait, on a très peu de connaissances sur la biodiversité, que ce soit les composantes bactériennes, phytoplancton, zooplancton, poissons, etc. Les résultats préliminaires montrent bon, que, un, on va permettre d'avoir une, une connaissance bien plus importante de la biodiversité, et aussi bah, des nouvelles espèces décrites, et peut-être même apparemment les résultats préliminaires, une nouvelle famille de poissons. Et là comme c'est une campagne très multidisciplinaire, donc il y a tous ces processus mais également les aspects de contamination, mercure, plastique, et du cycle du carbone avec comment les organismes, avec leur migration verticale, transportent le carbone et stockent le carbone et participent à la régulation climatique. Une dernière question. Arnaud, euh, posé par Léa sur le fil de discussion, par rapport à l'opportunité de pêche des gobies dans les zones eutrophisées, pensez-vous que cela est réalisable N'y a-t-il pas une hausse d'infection parasitaire dans les zones eutrophisées alors la pêche au gobi, euh, je ne sais pas trop. Euh, on parle quand même de tout petits poissons. Alors qu'est-ce qu'on en fait On en fait de la farine, mais est-ce que c'est raisonnable de, euh, les, les seuls poissons qui restent, si on commence à les exploiter, euh, on va encore arriver à, à un écosystème encore plus dégradé. Donc euh, j'avoue que là, j'ai l'impression qu'on arrive un petit peu au bout d'un du, cycle possible, et il est probable que euh, ce soit difficile d'utiliser ces gobies pour euh, l'alimentation humaine. Euh, quant aux hausses d'infection euh, parasitaires, j'avoue que là, on, je sors complètement de mon domaine de compétences. Ce qui est évident, c'est que des poissons qui sont en mauvais état euh, vont être plus sensibles aux parasites. Juste une anecdote euh, parmi les, les études qu'on fait euh, actuellement euh, dans les estuaires au Brésil. Il y a une étudiante en thèse là, qui travaille sur la santé de, des poissons. Et au niveau euh, du foie, le foie de, de tous ces poissons est dans un état épouvantable. Ils, ont tous, ils sont tous extrêmement malades. Alors ça a l'air d'être lié aux cultures, à la culture de canne à sucre, avec énormément d'intrants qui sont utilisés. Et aussi, il y a des, euh, des, euh, des euh, usines d'aluminium. Donc euh, les poissons sont extrêmement malades. Et effectivement, on peut penser que des poissons vont être beaucoup plus sensibles à des infections parasitaires. On peut avoir des problèmes de ce type. Eh bien, Merci beaucoup, Arnaud. Merci pour votre disponibilité, de vous être prêté à ce jeu de présentation, questions, réponses. Euh, bah écoutez, juste avant de nous quitter, je vous rappelle et je rappelle à tous les participants que c'est le premier direct aujourd'hui, que deux autres sont déjà prévus, l'un avec Nadia Améziane, qui va intervenir autour des questions de biodiversité, de biomimétisme, de bioinspiration. et un petit peu plus tard, alors toutes les dates sont précisées sur des fils de discussion, sur les messages que vous recevez en lien avec le MOOC, par Jean-Eude Beuret sur la question des aires marines protégées, comment les rendre acceptables, efficaces voilà, donc je vous dis à bientôt. Merci à toutes et tous pour votre participation et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir, au revoir Arnaud. Au revoir, au revoir à toutes et tous. Merci d'avoir participé.